Eh, devinez où je suis? Est-ce que je suis derrière l'arbre? Est-ce que je suis derrière la montagne? Eh ben non, j'étais sur l'arbre. Wesh wesh qu'à la pêche, ici Ninjax, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la mort. Après, est-ce que j'ai dit de la mort alors que bah c'est vraiment pas du tout une vidéo de la mort? Oui. Mais par contre, elle va être vachement cool. Ok, vous voyez comment je suis trop BG? Regardez, regardez, oh regardez, oh cette salopette! Aujourd'hui, on va faire un petit truc assez intéressant. Minecraft, mais je peux planter des mobs. Genre, littéralement, les planter, en fait. Et effectivement, j'ai installé un mod qui me permet, bah, tout simplement, de planter tous les mobs que je veux. Si j'ai envie d'avoir un golem, bah, je plante un golem. Si j'ai envie d'avoir un Underman, bah, je plante un Underman. Donc voilà, c'est ça qui va... Bougez plus, c'est un hold-up! Ok, maintenant, vous allez tout de suite mettre un like. Putain, quand je bande l'arc, il y a l'arc qui me rentre dans la gueule. Bon, c'est pas grave, faites genre que je vous menace, ok? Ok, on fait un truc. Si je touche l'arbre, vous mettez un like. Ouais, bon, vas-y, vous mettez quand même un like. De toute façon, vas-y, les arcs, c'est pour les nuls. Ok, moi, je me cache derrière mon arbre et on dit qu'on commence la vidéo. Allez, c'est parti. Bonne vidéo! Ah, merde, on voit encore. Voilà. Bon, heureusement que j'ai spawn juste à côté d'un village. C'est assez OP. Surtout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais tant mieux, hein, je profite. Coucou tout le monde! Je viens vous dévaliser parce que je suis un thug. Genre, moi, je pète des maisons, thug. Genre, je tape des villageois, thug. Je vous vole vos cultures. Tug. J'aurais été de faire le tug parce que après le karma il va me rattraper. Bon, l'objectif de base ça va être d'essayer de bah, planter des trucs. Je vous rappelle que je peux planter tous les mobs du jeu normalement. Mais ben bah, je vais essayer de planter des trucs, mais on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça marchera pas du tout. Bah, j'espère que si quand même. Merde, j'ai récupéré un escalier. Tiens, tiens, je te fais un banc. Je te casse ta culture. Arrête de me regarder comme ça par contre. C'est bien. On appelle ça le respect, les gens. Ppm. Je dirais de commencer par faire une houe parce qu'en fait bah, j'ai besoin que d'une houe. Et ici ça va être l'endroit parfait pour faire mon champ. Vu qu'il y a de l'eau et en plus c'est enfermé. Le champ a été fait. On est plutôt bien là. Je vais récupérer de quoi me faire un stuff en pierre et puis on va commencer à essayer de planter des trucs. Hein. Ok, j'ai mon stuff en pierre, je suis plutôt cool là. Eh, hey, salut toi, t'es tout seul? Ouais, y'a personne à côté de nous. Bon, j'avoue, ça peut ressembler à un meurtre. Voilà, voilà, ça peut ressembler à un meurtre. Pensais qu'il allait me donner une graine. Bah, il m'en a pas donné, c'est pas de ma faute, il s'est rien passé. Encore une fois, ça peut ressembler à un autre meurtre. Mais je vous jure, je pensais qu'ils allaient me donner des graines, ils m'en ont pas donné. Eh, je suis un fermier, ok? Moi, mon métier, je le prends à cœur. Mais attendez, ça marche pas. Ok, toi, parfait. Genre, par exemple, si je fais ça et que j'entoure de graines... Ok, d'accord. Là, il me donne une graine de mouton, ok. J'avais pas compris comme ça. Bon, bah, RIP les deux villageois que j'ai butés, c'est pas grave. Après, je suis un fermier, je prends juste mon travail à cœur, moi. C'est tout ce que je peux dire. Non mais sans déconner là. Non mais je viens de planter un mouton en fait là. Vous pouvez juste dire ça, je viens de planter un mouton quoi. Bah je suis pas enfermé pour rien, hein, voilà, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. On va le laisser là, je sais pas quand il sera à maturité en vrai, j'en ai aucune idée. Alors par contre, logiquement je suis dans un village donc il y a un golem. Il est où le golem? J'aimerais bien le trouver. Eh hey, mon pote! Attends, je suis sûr que je peux te planter. Allez viens, je vais pas te faire de mal, je vais juste le tuer. Après, je suis un fermier, faut pas oublier, je fais tout ça pour mon métier. Il m'a donné une fleur et du fer. Je pense que je dois utiliser le coquelicot pour pouvoir planter le golem. Ça me paraît très logique. Ok, donc si j'utilise la fleur... Ok, ça marche pas. Et si j'utilise du fer... Ok, ça fonctionne. Donc là, j'ai un Iron Golem Seed. Bon bah, c'est une graine qui va me permettre de planter des golems. Ok, donc attendez, si genre je le mets là... Ah ouais, quand même. C'est pas quoi dire à part que c'est what the fuck. Oh, what the fuck, non mais attendez. En vrai c'est vachement glauque quand même. Parce que là, je suis dans un village, dans mon petit potager, et je plante des mobs. C'est vachement chelou. Eh, hey, salut vous deux. Vous avez entendu les rumeurs? Ah, vous voulez pas entendre mes rumeurs? J'allais leur parler qu'il y avait deux villageois qui ont disparu, mais ils s'en foutent, donc parfait. En vrai, je vais essayer d'aller trouver des squelettes, parce qu'avec des squelettes, j'aurai de la bonne mille, et donc je vais pouvoir faire pousser des trucs bien plus vite. Attendez, en vrai aussi, je peux faire ça. Ok, je peux utiliser le composteur pour avoir de la bonne mille aussi. Hop là, de la bonne mille. Ok, si j'essaye de l'utiliser sur le golem. Ok, là je pense qu'il a poussé. Il est carrément sorti du sol. Si tu me dis qu'il a pas poussé, là, je pète un câble. Oh mon dieu! Salut toi! Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai re-récupéré une graine, donc ça c'est parfait. Je peux en faire pousser à l'infini. C'est-à-dire, je peux obtenir du fer à l'infini. Eh, toi, mon pote! Tiens, dans ta gueule. Eh non, t'es bloqué. Tu peux pas me taper. Et là, hop, je récupère du fer. Ah ouais, c'est vachement cheaté quand même. Ok, j'ai réussi à en faire pousser 3. Bon, c'est déjà pas mal en vrai. Si je fais ça, ça et ça. Non, c'était pas prévu! Yes! Je suis heureux d'avoir mis ce clic. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Là-bas, je voulais juste faire pousser le nouveau golem. Eh oui, une simple barrière te retient. Ah! C'est bon, je rigole. Je rigolais pas, sale nul. Ils ont trop cru la vie, c'est une gaufre. Bah, moi, je leur montre que non. Ok, voilà. Maintenant, j'ai du fer. J'ai mon petit casque en fer, on peut y aller. Parce qu'un fermier n'a le droit de porter qu'un casque en fer. Mais si ça devient trop dur, je vais quand même porter autre chose. Hein. Bon, là, je vais essayer de trouver d'autres mobs à planter. Parce que bon, c'est cool les golems, mais faudrait peut-être essayer de planter autre chose, quoi. Est-ce que ça marche pour le mouton? Ok, donc là, je viens de faire pousser le mouton. Il est vachement grand, il sort carrément du sol. Et hop, un mouton. Tiens, dans ta gueule.
Oh merde, mon sol. Ok, on va essayer de trouver des mobs hostiles là pour essayer de les planter. C'est bien marrant de planter des golems et tout, mais vas-y, on va essayer de trouver autre chose. Ok, je récupère un peu de charbon pour pouvoir faire chauffer la bouffe avec les vaches. Bonjour, il me faudrait un squelette là en vrai. Un squelette, ça serait vraiment OP en fait. Le planter pour récupérer de la bonne mille. Bonjour. Spawn à côté d'un. Ok, on est dans un mineshaft, il y a un coffre. Une pomme en or, trop bien. Ok, donc là, je vais sans doute trouver des mobs par contre. Il y a un squelette et un creeper là-bas. Ok, attendez, faut que j'essaye de les choper. Oh. Aïe, t'es vu toi, hein, je vais te péter ta gueule, voilà, merci. Ok, donc là j'ai récupéré... Espèce de sale fou, va. Tiens, tu veux faire le malin avec moi? On fait pas le malin avec Ninjax. Tu fais moi le malin là, hein. Ok, bon, là on est plutôt pas mal. Je vais essayer d'aller planter tous mes mobs, et puis on va voir le résultat. Donnez-moi des os, s'il vous plaît. Aïe. Protège-moi le villageois, protège-moi. Ok, je suis caché. C'est un bon camouflage un villageois quand même, hein. Pourquoi tu viens sur moi et pas sur un villageois? C'est parce que je suis glace? Non, 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 c'est mon lit, vite. Dors, dors, dors. Vite, 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 vite. Ah! Cramé, bande de démons. Ok, je vais essayer de faire les crafts, on va voir ce que ça donne. Déjà, le squelette. Ok, c'est bon. Wolf seed. Mais what the fuck, non, je veux un squelette. Ok, je peux faire pousser des vaches, ça c'est plutôt intéressant. Si on suit la logique, je peux aussi faire pousser une underpearl, ça marche pas, je peux pas faire pousser d'Underman, c'est trop bizarre ça. Je me sens actuellement arnaqué. Voilà, je vous le dis, je suis arnaqué là. Je vais quand même faire pousser ma vache, parce que faut pas déconner. Je me lasserai jamais de poser les graines parce que c'est toujours what the fuck. Comment ça je peux pas faire pousser d'Underman? Je pense que ce que je cherche se trouve dans le Nether. Donc on va aller faire un tour là-bas. Oh, il y a un golem qui a poussé. Hop là. C'est vraiment pratique de pouvoir faire pousser des mobs quand même. Ok, j'ai mon seau. Normalement là-bas, je crois qu'il y avait un lac de lave, mais je suis pas sûr à 100%. En tous les cas, je suis dans un désert, donc ça va pas être très dur à trouver. Let's go. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit. Ok, je suis pas rouillé pour le faire, je suis plutôt content, je l'ai fait vachement vite. Bonjour. Ok, si je suis créateur de plugin, une connerie comme ça, qu'est-ce que je dois faire? D'après moi, j'ai pas besoin d'aller dans une forteresse pour pouvoir faire pousser des blazes. Si genre je prends de la netherrack, je crois que ça se fait chauffer, je pense qu'on peut en faire un bloc. Par contre, pour l'Underman, j'ai pas trop d'idées. Oh non, me faites pas chier vous, s'il vous plaît. Aïe, ils vont me buter, ils vont me buter, ils vont me buter. Je suis un farmer moi, je suis pas un combattant hein. C'est vrai que j'ai qu'un casque en fer, on va pas trop faire le malin. Ok, je vais prendre ce bloc, peut-être je vais pouvoir faire pousser des pigmen avec. J'ai trouvé une warp forest, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais juste prendre ce bloc là, en fait tous les blocs du biome hein. Je vais juste prendre tous les blocs du biome. Genre ça là, et un champignon. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut, je me casse de là. J'avais plus de bouffe donc tant mieux, heureusement que je suis rentré. Hop, mon séjour dans le nether se termine maintenant. Ok, direction le village, on va essayer de faire pousser d'autres mobs. Alors, toi, déjà, c'est mon lit, donc tu t'en vas. Qu'est-ce que ça fait du bien de raqueter les mobs? Bon, j'ai des graines, on va essayer de tout faire planter, voilà. Donc, si j'utilise un bloc, ça ne marche pas. Si j'utilise les lianes, ça marche pas. Si j'utilise les racines... Oh, ça fonctionne! Underman seed. Ok, j'ai trouvé comment on fait des Underman seed. Bon, vu que j'en ai une, dans tous les cas, c'est parfait. Et je vais essayer de faire chauffer de la netherrack, parce que je crois que ça fait un bloc, ça. Ça fait le bloc des forteresses des blazes. Ok, donc j'ai des briques du nether, on va tester avec. Let's go! Oh, je suis trop intelligent, mon dieu. Donc là, j'ai des blaze seed. Nickel. Je vais pouvoir tout faire pousser. C'est trop bien. Ok, je vous ramène des potes, vous deux là. Bam bam. Underman seed, blaze seed. Putain, comment ils sont plantés sans déconner, ça m'explose de rire. Par contre, va falloir que je les enferme. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie qu'ils me. Ok, nickel. J'ai à peu près fermé le truc. On va fermer encore ici. J'ai vraiment pas envie qu'ils me tabassent la gueule, donc on va tout fermer. Je vais juste genre laisser ce bloc d'ouvert, comme ça je vais pouvoir les tabasser d'ici. Ok, j'ai mis mes steaks à chauffer. On va essayer de les faire pousser. Donc l'Underman, genre. Ok, donc j'ai réussi à faire pousser l'Underman. C'est trop bien. Non, non, c'était pas prévu que ça fasse ça. Oh mon dieu, il est juste là. Je suis désolé, tu peux mourir s'il te plaît. Mon champ, il est en train de péter mon champ. Putain, il m'a fait flipper ce con. Je vais essayer de faire pousser le blaze maintenant. Ça ne marche pas, je n'arrive pas. Oh mon dieu, il était déjà poussé. M'en fous, je suis dans l'eau, voilà, tu peux pas me buter. Eh, c'est vachement, ça fait flipper quand même. On va faire un par un, d'accord. Ok mon pote, j'espère que t'es le dernier que je vais devoir buter parce que ça m'énerve de faire ça là. Tout à l'heure je bute des Underman en boucle, c'est pas très marrant quoi. Arrête de boucher partout putain, t'es super chiant. Ok nickel, boum, 12 perles, parfait. C'est pile ce qu'il faut pour aller dans l'End, donc on va faire ça. Direction l'End, c'est parti. Ok, je suis devant le portail, bon il y avait une perle de plus, j'en perdais une au moins. Voilà, tant mieux. J'ai eu une idée de fou pendant le chemin et j'ai farmé plein de graines de golem. Comme vous pouvez voir en bas, j'en ai 24. Et je vais invoquer plein de golems dans l'End. Je vois pas où est encore l'Under Dragon, mais il y a bel et bien les piliers ici. Et wesh, il est où l'Under Dragon? Il y a pas d'Under Dragon, il y a même pas de truc pour eux. Mais c'est quoi? Attendez, mais c'est quoi cet End? Oh, ok. Je pense que je vais devoir le crafter, l'Under Dragon. Il y a même pas de machin pour tourner dans la vraie vie là. Bon, au moins, ça va me permettre de pouvoir faire mon plan en exécution. C'est-à-dire, crafter plein de golems. Bon bah let's go, hein, on va juste faire ça en boucle, le temps que j'ai plus de poudre d'os, hein, et puis voilà. Hein. Au moins ils vont pouvoir me défendre et tabasser tout le monde, donc moi ça me va. Je me sens tellement puissant que... Ah! Non, non, je rigolais, mais je viens d'enlever mon stuff, aidez-moi, aidez-moi! Qu'est-ce que tu vas faire? Moi et mon gang, on te fume! Putain, j'étais en train d'enlever mon stuff pour flex, mais il est venu, il m'a tabassé. Donc si je fais ça, que je mets 9 graines ici et que je mets ça, voilà, Under Dragon Seed. Je n'arrive pas à planter l'Under Dragon Seed, ça m'énerve. Oh!
Ok, d'accord, j'ai réussi. Faut que je la plante sur le côté, j'ai l'impression. Ok, d'accord, c'est bon. Ah non, d'accord, je devais le planter sur de... Ok. En fait, ça se plantait pas sur de la terre. Bah, génial, je savais pas. Donc, si maintenant je le gros... Oh mon dieu. Attendez, attendez, attendez. Ça veut dire que là, je peux invoquer le Nether Dragon. Là, je vais me faire péter la gueule. Ok, je vais l'invoquer. Ah bah ça a pas marché. Ah si, ça a marché, ça a marché. Il est où, il est où, il est là-haut. Oh shit, aide-moi le golem. Super, merci le golem. Ah mais attendez, ça veut dire que je peux faire ça encore. Oh mon dieu, je peux en invoquer à l'infini. J'ai peut-être trop fait le malade. Ok, j'en ai invoqué 4. D'accord, il a perdu 0 points de vie. Lequel est le vrai? Ok, c'est le dernier là. Allez, sois un bonhomme là. Sois un bonhomme. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Je meurs pas. Oh mon dieu, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir à cause d'une perle que j'avais oublié d'enlever de mon inventaire. Allez-y, allez-y les golems, allez-y. Il arrive au milieu. Fumez-le, fumez-le. Ah non, les golems ils vont pas sur l'Ender Dragon. Ah si, c'est bon, ils y vont. Vas-y golem. En vrai, il prend beaucoup de points de vie là. Je suis sûr que je peux le buter no stuff comme ça. Ah non, il a tué plein de mes golems. M'en fous mec, je vais en réinvoquer. J'en ai rien à faire. Oh, oh, il arrive au milieu, il arrive au milieu. Ok, ok, pétez-lui la gueule, pétez-lui la gueule. Je vous jure, vous êtes... Non, ils se sont fait tous repousser. Allez, fais pas le timide, mon pote, viens. Oh, il arrive au milieu. Ah, mais il a mis sa flaque de nul là. Vas-y mon pote. Non, je suis désolé, ça va fonctionner. On va juste lui tabasser sa gueule. Hein. Ok, il a bientôt plus de vie. Let's go. Hop, hop, hop. Moi et mes potes, les golems, on a fumé l'end. Bon, les gens, merci. What the fuck, c'est quoi cette atmosphère là derrière là? Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner. C'était Injax, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.